Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance. Sur cette chaîne, vous trouvez de nombreuses séances d'hypnose ou bien d'EMDR ou de cohérence cardiaque. Ces séances vous aident à vous détendre, à mieux dormir, à arrêter de fumer, à mincir, à gérer des douleurs, à gérer des émotions, à reprendre confiance en vous, à soigner des traumatismes. Toutes ces séances se veulent naturellement généralistes pour aider le plus grand nombre. Je ne peux que vous encourager à travailler avec un thérapeute en direct, en cabinet ou en téléconsultation, si ces séances ne suffisent pas. Vous savez que pour écouter cette séance, il vous faut soit un casque ou des écouteurs, ou bien poser votre téléphone à côté de votre oreille droite. Je m'adresse à votre inconscient. Ainsi, si vous vous endormez, aucune difficulté. Naturellement, n'écoutez pas cette séance si vous êtes en train de conduire ou en train de faire quelque chose de dangereux. Nous allons bientôt commencer. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir automatiquement toutes les nouvelles séances que je publie chaque semaine. Je m'appelle Émilie Delettré et vous me trouvez sur mon site emiliedelettré.com, E-M-I-L-I-E-D-E-L-E-T-R-E. À bientôt. Et belle séance. Prenez le temps de vous poser, de fermer les yeux en signe de retrait du monde, de laisser tous les bruits extérieurs passer en arrière-plan pour vous concentrer uniquement sur ma voix et sur votre respiration. À chaque nouvelle inspiration, vous sentez le calme s'installer. Et à l'expiration, c'est le corps qui se relâche, qui se détend de plus en plus profondément. Quelques instants de calme, une parenthèse de bien-être dans laquelle il n'y a rien à faire. Rien à dire, simplement à tourner le focus vers soi, vers cette petite partie qui s'installe, qui travaille dans l'ombre pour votre bien-être, pour vous, pour installer toutes les précieuses ressources dont vous avez besoin pour aller bien, pour transformer des choses, pour accéder à vos rêves. Prenez le temps, à chaque nouvelle inspiration, de plus en plus profondément, deux fois plus profondément, d'inspirer et d'expirer par la bouche tranquillement. À chaque nouvelle inspiration, vous sentez le corps se poser sur la surface où il est installé. Sentez l'arrière de votre tête qui s'alourdit, la nuque qui se relâche. Prenez une grande inspiration et relâchez la nuque. Puissez le dos, toute la colonne vertébrale de haut en bas qui prend toute la place, qui s'étale, et une inspiration. Et une expiration. Et puis peut-être l'arrière des jambes à gauche, à droite, qui s'alourdit de plus en plus à chaque nouvelle inspiration. Et à chaque nouvelle expiration.
plus en plus, de mieux en mieux. Le corps se relâche, tous les muscles se détendent. Une relaxation profonde qui amène le calme à l'intérieur. Visualisez un espace dans lequel vous vous sentez bien, quel qu'il soit. Peut-être l'espace où vous êtes, le confort de votre lit, ou bien un espace souvenir, souvenir de vacances, souvenir d'une maison de vacances, ou bien tout autre espace. Imaginaire ou réel, après tout, c'est votre espace. Si vous préférez vous installer sur un nuage ou sur un nénuphar, vous pouvez tout à fait confortablement visualiser cet espace maintenant à chaque nouvelle inspiration. Et à chaque nouvelle expiration, votre espace pour tranquillement glisser vers le sommeil. Un espace de bien-être dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez particulièrement protégé, confortable, agréable, qu'il est doux de ne rien faire d'autre que se poser, désormais se reposer. Déposer de plus en plus calmement. Inconscient, prends le temps d'éveiller le champ des possibles. Dans cet état de conscience modifiée dans lequel tout est possible, accessible, facile. Il y a peut-être même un objectif en particulier précieux, important, qui correspond à des valeurs fortes, honorées chaque jour. Apparaît dans cet espace de bien-être comme préservé, renforcé, augmenté profondément à l'intérieur de soi cette sérénité. Inspirez. Et expirez calmement, de plus en plus profondément. Je ne sais pas quelle couleur pour vous a la sérénité. Et la luminosité de quelque chose de connu ou de déjà inconnu, peu importe ce qui est certain, c'est qu'à chaque nouvelle inspiration, elle s'augmente, elle prend toute la place et elle fait de l'espace à l'intérieur des poumons, du ventre,
centre de l'arrière du dos, des jambes et du cœur. Prends le temps inconscient de visualiser une belle couleur qui traverse du sommet du crâne, qui relâche les muscles des yeux, les mâchoires, la nuque, les bras à gauche et à droite, toute la colonne vertébrale, les colonnes, les vertèbres cervicales, dorsales, lombaires, sacrées se relâchent. Elles reprennent leur mobilité, leur place, leur fonction naturelle. Et la belle couleur se diffuse à travers les narines, elle vient se loger à travers les organes, elle vient se diffuser comme un petit ruisseau pour laisser la liberté dans les organes. De haut en bas, et le ventre se dénoue, se relâche, de plus en plus confortable. La couleur traverse à travers le bras gauche, le bras droit, et elle pose à l'intérieur la lourdeur du corps qui fait glisser vers le sommeil. Inspirez. Et expirez calmement. À chaque nouvelle inspiration, à chaque nouvelle expiration, la couleur se diffuse à l'intérieur, de plus en plus dans la jambe gauche, dans la jambe droite, elle relâche les genoux, les mollets, les chevilles, jusque tous les organes, et ainsi c'est tout le corps qui se relâche du sommet du crâne jusqu'aux pieds. Maintenant, prends le temps inconscient de plus en plus profondément, encore d'installer profondément cette détente, ce relâchement. De plus en plus, de mieux en mieux. Et prends le temps maintenant, de visualiser cet espace de calme autour, ce calme qui s'installe de plus en plus à l'intérieur et qui relâche toutes les dernières tensions, qui laisse tranquillement l'espace à l'intérieur. Plus le corps se pose, plus il se relâche et plus il peut manifester certaines choses, peut-être parfois
Il peut y avoir des éternuements, il peut y avoir le papillonnement des yeux derrière vos paupières closes, il peut y avoir des micro-mouvements. Ou bien une petite toux qui libère la gorge avant de laisser le corps totalement se relâcher. Et c'est très bien ainsi. À chaque nouvelle inspiration et à chaque nouvelle expiration, le corps, les muscles se détendent. Et vous entrez tranquillement vers un chemin imaginaire, un nouveau monde. Un monde où les choses sont possibles, elles deviennent accessibles. Elles deviennent disponibles. Alors j'aimerais aujourd'hui que vous réfléchissiez un objectif précis qui vous plairait beaucoup, précieux pour vous. Se libérer d'une sensation. Ou bien se détacher d'un lien. Ou bien préparer quelque chose en particulier. Visualisez dans votre tête cet objectif. Prenez le temps de le définir précisément pour se libérer d'un lien toxique. On a besoin de se créer son propre espace. Imaginez une vie sans ce lien. Il est bon d'imaginer que toute sa vie, sa propre vie, n'appartient qu'à soi et que nous avons le pouvoir dessus. Alors inconscient, tu vas imaginer que tu descends 5 marches en entendant ma voix 5 pour descendre encore plus profondément 4, de plus en plus encore 3. Imaginez une pelote de laine emmêlée. Une pas belle couleur d'ailleurs. Une pelote à laquelle il y a des nœuds. Il y a même de la poussière qui s'est mise dessus et elle semble vraiment pas très en forme. Elle semble avoir souffert. Elle semble bien inconfortable. Auparavant, cette pelote, c'était une pelette toute fraîche, nouvellement mise en pelote, toute belle, avec une couleur éclatante. On pouvait tirer sur le fil et la pelote se déroulait. Elle allait bien. En quelque sorte, elle n'avait pas encore vécu, elle n'avait pas encore expérimenté. Elle était toute neuve.
fragile et naïve. Visualisez cette pelote qui maintenant a vécu, a traversé des situations. Et naturellement, elle n'a pas la même couleur, elle n'a plus la même forme. Le temps passé a fait son œuvre. Saisissez cette pelote et amenez-la en descendant sur la première marche, maintenant. Inspirez, vous êtes toujours dans un espace de sécurité, de calme. Vous avez tout à fait la capacité de traverser cette situation tout en restant calme et serein, en confiance. Imaginez maintenant, en bas des marches, vous êtes avec cette pelote et vous avez quelque chose de très important à faire, de très précieux pour vous. Alors vous vous posez sur un endroit que vous aimez bien, quel qu'il soit, et vous vous mettez à dérouler cette pelote. Vous tirez sur le fil et vous sentez qu'il y a de la résistance. Alors vous y passez plus de temps. Avec vos doigts, vous tirez d'un côté et de l'autre du nœud. Vous démêlez ce nœud. Inconscient visualise cette pelote telle qu'elle est. Et certains nœuds se démêlent plus rapidement que d'autres. Dans les espaces où les nœuds n'existent pas, c'est facile, on tire le fil. C'est le fil des bons souvenirs, le fil des situations où tout va bien, et il y en a. Certes, naturellement qu'il y en a. Et les nœuds arrivent de nouveau. Plusieurs, un après les autres. Inconscient. Écoute. Il est peut-être nécessaire au futur de laisser passer le moment du passé au présent pour simplement focaliser son attention sur le présent du passé et sur le futur du présent. Alors inconscient, tu vas mettre tous les apprentissages utiles, bénéfiques, confortables, de côté pour les laisser à un endroit où tu peux les retrouver très facilement. Et maintenant, tu vas imaginer que cette pelote devient de plus en plus emmêlée. C'est un énorme tas de nœuds.
et ce nœud. Tu n'en veux plus. Tu veux simplement que cette pelote fasse son chemin et quitte tes mains pour demain, pour construire un avenir sans limite, sans nœud, sans ces difficultés, alors inconscient, tu vas prendre un énorme ciseau. Imagine qu'un énorme ciseau, comme un grand sécateur, est à portée de main, ou bien une hache, ou bien toute autre chose suffisamment utile. Pour couper cette pelote de laine une bonne fois pour toutes. Inconscient, visualise cet outil indispensable. Et coupe chaque nœud de cette pelote. Prends le temps, c'est très important de visualiser que tu coupes tous ces nœuds dont tu n'as plus besoin. Tous ces nœuds qui rappellent, qui font ressurgir des souvenirs négatifs. Prends le temps inconscient de visualiser ce découpage. Dans ce découpage, il y a aussi d'autres moments plus positifs, plus sereins. Et je te demande, inconscient, de reconnaître cela et d'entrer en gratitude pour ces moments bénéfiques. Dans toute relation, il y a toujours quelque chose à apprendre sur soi, sur l'autre et sur la relation qui s'installe. Inconscient. De laisser ouvert cet espace de résilience, de connexion à soi pour transformer l'état d'esprit. Prends le temps inconscient de ressentir l'intérieur du corps comme tout se libère. On laisse passer ce qui ne va pas et on entre en gratitude, en gratitude sur ce qui va, sur les apprentissages que la relation nous a permis de faire sur nous. Et on prend du recul
du recul de plus en plus. Car c'est le propre de l'évolution. Que de laisser certaines choses au passé pour se concentrer sur le présent. Prends le temps inconscient. Tout le temps. Instant encore, tu vas prendre 10 grandes inspirations et 10 grandes expirations pour installer profondément toutes ces ressources. Ses bénéfices à l'intérieur. Encore. Tranquillement. Inconscient, j'aimerais que tu visualises ce qu'il se passe à l'intérieur de toi quand la liberté est retrouvée, quand cet espace grandit, quand il y a de plus en plus de sérénité à chaque nouvelle inspiration. Et à chaque nouvelle expiration, inconscient, tu as très bien travaillé. Pour tout ce travail, tout cet accompagnement, pour aller bien, pour aller mieux. Et plus tu installes, plus tu programmes cela, et plus le bien-être sera présent au quotidien. Serein. Prends le temps tout simplement de glisser encore dans le sommeil inconscient de plus en plus profondément. Encore davantage et tranquillement, tranquillement, inconscient, tu vas pouvoir poursuivre la construction toutes ces structures, de tous ces bénéfices pour que tu puisses les avoir, les solliciter
au quotidien quand tu en as besoin ou envie. Et donc, maintenant, j'aimerais, inconscient, que tu fasses le rêve d'un rêve qui va vers demain, qui réinstalle et qui n'oublie pas d'oublier tout ce qui doit être oublié là ou laissé, cela doit être laissé là pour ne pas avoir à l'oublier. Inconscient, prends tout le temps et bravo pour cette séance. Thank you.